Bonjour à tous, mon nom est Robert Bérubé et je me prépare à me rendre à ma petite agence de voyage, Les Routes du Monde. Je suis un consultant voyage et je me prépare donc à aller rencontrer des gens et les aider peut-être à faire le plus beau voyage de leur vie. Quand est-ce que t'es revenu? Ça fait un mois là. Eh, si bon! Ouais. Hey, vous avez bien rodé? Ben ouais, pas pire, hein? Amda au Tibet, comment vous avez fait? Petit kit, là, je veux tout savoir. Mon travail, c'est en quelque sorte être une espèce de mécanicien du voyage. Les gens m'arrivent avec un projet et pour eux, souvent, ça représente un problème. Tu sais, on arrive au garage, notre moteur, on le sait pas, mais c'est simple. Et les gens qui font de grands voyages, comme les gens que je reçois, m'arrivent avec un projet et moi, j'essaie de leur rendre ça facile. Partir longtemps en voyage, tu sais, ça peut être de un mois à un an, mais il y en a, quitter la maison pour un mois, ça représente une grande préparation. Alors, le monde du voyage aujourd'hui n'est pas tout à fait équipé pour faire ça. Alors moi, ben, je me nomme souvent mécanicien du voyage, j'ouvre le capot, puis c'est pas compliqué. Où est-ce que tu veux aller? Puis on va essayer de voir par rapport à ce que tu es. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Hey, il fait pas chaud en Égypte, hein? Ben, la nuit passée, c'était 19. C'est bon, en tabarouette, ça, là. Tu vas voir sur Météo Média. Donc, Montréal, New York. Puis après ça, New York, Caire. Là, il y a M. Gouda qui t'attend là-bas. Gouda Fayed. C'est une façon pas trop banale de commencer le voyage. Puis après ça, tu reviens malheureusement le 11 juin, Cairo, New York, et New York, Montréal. Hein? Puis tu reconfirmes au retour absolument avec Egyptair. Donc ça, c'est à toi. Il est très important de connaître la personne à qui on parle. Faire une vente par téléphone, pour moi, c'est à peu près impossible. Quand quelqu'un part pour l'Inde, la Chine, le Vietnam, le Tibet, on a la voix, déjà c'est un bon feeling. Mais je demande toujours aux clients, viens donc me voir. Tu sais, on part pas souvent dans une vie, hein. Les gens partent à toutes les 2 ans, toutes les 3 ans. On dépense quand même 5, 6 ou 7 000 $ pour un grand voyage. Alors, tant qu'à faire, viens donc me voir, on va le préparer comme il faut. Bonjour. Bonjour. Christian Saint-Jean. Bonjour, Christian. Enchanté. Jeannie Orgelet. On s'est parlé cette semaine. Vous avez pensé à quel pays? Dans l'ordre, dans le désordre, là. Alors, tu sais, Vietnam, Thaïlande, je sais pas, la Chine, le Tibet. La plupart de l'Asie. L'Inde. Inde, l'Indonésie. Bon. Le Timor. Timor. Le Sri Lanka. OK, c'est beau. Grande ambition. Oui, mais ça se fait très bien. En plus, il y a l'Océanie. Souvent, les gens ont une très grande ambition. Ils arrivent, c'est un peu le principe entonnoir, les gens arrivent avec un paquet de projets, un paquet de pays, mais ils ne sont pas au courant des difficultés du voyage, difficultés de traverser d'une frontière à l'autre. On compose aussi un projet quand on est en santé. On arrive à l'étranger, souvent on peut être malade, on peut traverser différentes crises. Je demande aux gens d'où ils viennent, ce qu'ils font dans la vie, sont-ils fatigués, sont-ils en peine d'amour? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Et 95 % du temps, les gens m'arrivent avec une destination. 95 % du temps, c'est pas là que je les envoie. L'intérêt présentement là, est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, Asie du Sud-Est, Inde. Puis ça, ben, c'est minimum comme billet d'avion. Ça prend un billet d'avion Bangkok aller-retour, peu loin. Puis il faut penser au climat aussi. Tu vas pas au Tibet en janvier, ça passe pas. C'est ça. Okay. Il y a différents points à faire attention quand on part en voyage, dont les saisons. Le Népal en juillet, il faut aimer beaucoup, beaucoup la pluie. Les savanes kenyennes, il faut que tu y ailles l'été ou l'hiver, tu sais, janvier, février, mars. C'est très facile de se tromper et il faut avoir un peu d'expérience. Il y a un climat pour chaque pays, il y a des affluences aussi plus importantes. La fête du Tet, par exemple, au Vietnam,
Bien, il faut être prévenu que les hôtels peuvent être à peu près tous pleins. Alors, il faut faire ça d'avance avant de se rendre là-bas. Même quand tu pars 6 mois, il est facile de faire un itinéraire qui va évoluer avec les climats. Alors, donc, tu visites, par exemple, je ne sais pas moi, début de l'automne, l'Inde, et quand tu arrives au début de l'hiver, janvier, février, tu es rendu en Asie du Sud-Est, c'est absolument parfait pour le voyageur. Mais tu sais, le mois de mai au Tibet, au Kailash, c'était cœur. C'est du grand voyage.